Look, I'm not a young guy. That's no secret. But here's the deal. I understand how to get things done for the American people. I'm voting for Trump, so what somebody's going to do about it? I mean, I'm going to disagree with you. So what? Does it make you feel weird that no, people... No, so what? Donald Trump will become the 47th president of the United States. Donald Trump has won the state of Wisconsin, which means he is the winner of this... Donald Trump is the winner in Wisconsin. Les amis, Donald Trump a gagné et ça, c'est un peu incroyable. C'est incroyable parce que ça rebat, selon moi, totalement les cartes de la politique américaine et par extension, parfois par analogie un peu abusive, de la politique française. Et aujourd'hui, je vais vous donner ce que j'analyse comme quatre grandes leçons qu'on peut tirer de cette élection américaine. Si je prends le temps de faire quatre leçons, c'est que la victoire de Trump, c'est un raz-de-marée. C'est pas juste une victoire. Il y a eu une progression absolument partout dans la société. Donc ça dit quelque chose de cette société américaine, voire de la société occidentale, même s'il y a des limites évidentes aux analogies, comme je vous l'ai dit. Alors, on dit souvent que ce qui arrive aux États-Unis arrive 10 ans avant qu'il va arriver dans les sociétés européennes. Je sais pas. Il y a deux éléments à prendre en compte avant d'écouter ce que je vais dire. Déjà, la société américaine, évidemment différente de la nôtre, elle est bien plus religieuse, bien plus polarisée et même parfois bien plus brutale. On l'a vu pendant la campagne, c'est une campagne qui a été très violente. Les institutions sont différentes aussi et surtout, comme je vous le disais, le combat entre Kamala Harris et Donald Trump a été souvent un combat qui a été personnel, des attaques ad hominem. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. L'équivalent d'un combat à main nue, ce qui n'est pas le cas en France. C'est pour ça que je ne parlerai pas des petites phrases ou des tacles à la gorge à la De Jong un soir de pluie, mais je parlerai de la dynamique globale de cette élection. Les quatre grandes leçons de cette élection, c'est parti. Alors évidemment, la première leçon qu'on peut tirer de cette élection américaine, c'est selon moi la fin, ou en tout cas la mise en galère des médias traditionnels, ou à minima l'émergence d'une vraie concurrence dans l'information. Et c'est là où cette élection elle est passionnante pour tout le monde, parce que Trump incarne, ou en tout cas le Trumpiste incarne ce changement d'air. Changement d'air qu'on observe aussi ici en France. Je vous rappelle que Frontières, ils ont fait un live de 24 heures où ils étaient genre 79 ou 80 000. Dès sa première campagne, Trump, il a eu une cible sur le dos. Il s'est mangé tout ce qui est possible de graille en termes de propagande médiatique et culturelle. Mais alors, comment expliquer que cette propagande médiatique et culturelle, elle n'est de fait pas marché? And that kind of extreme, sort of extremist right-wing fascist type government. Comment ça se fait que même en déployant tout Hollywood, toute l'industrie musicale, tous les médias traditionnels sauf Fox News, les démocrates se soient fait quand même rouler dessus? Et bah parce que ces acteurs-là, pas uniquement les acteurs d'Hollywood, mais ces acteurs médiatiques-là, ne représentent plus la vérité avec un grand V. Ils sont maintenant concurrencés par d'autres médias, ou en théorie des médias, on dirait d'autres récits. C'est pour ça qu'on a tendance à parler de médias alternatifs, parce que c'est une alternative au message du système majoritaire progressiste américain. C'est le cas des podcasts de Joe Rogan, les émissions de Clay Travis et Buck Sexton Show, le Daily Wire, les podcasts de Ted Cruz, Tucker Carlson, et j'en oublie forcément. Donc la propagande progressiste a perdu sa pleine puissance et sa légitimité. Et même pire, j'ai envie de dire, ces médias traditionnels se sont enfermés eux-mêmes dans une bulle de filtre, et parce que cette bulle de filtre ne tournait qu'en cercle fermé, ils n'ont pas compris ce raz-de-marée. Les gars de CNN, c'est des mecs qui graillent et qui analysent de la politique depuis 30 ans, qui n'ont pas été foutus d'analyser un mouvement de fond dans une élection et dans une société américaine. Je parle de raz-de-marée parce que c'est le cas. Les médias occidentaux voulaient voir un coude à coude. On nous a sorti la fameuse théorie du « ça va être serré ». Jusqu'à la fin, ils y croyaient. Sauf que Trump a remporté l'élection, le Congrès et le Sénat. Ne pas l'avoir vu venir, c'est une faute professionnelle pour ces journalistes qui devraient te discréditer pour au moins 9 générations. Et on assiste à la fin de l'hégémonie culturelle, libérale et progressiste, au sens où Gramsci l'entendait, c'est-à-dire une hégémonie des thèmes, une hégémonie des croyances, des valeurs et des opinions. Et ça entraîne un cercle vicieux. Moins les médias traditionnels parlaient aux Américains, plus ce qu'on appelait les médias alternatifs
prenaient de l'importance. Et alors, plus ces médias alternatifs prenaient de l'importance, plus ces médias alternatifs étaient puissants, plus la propagande progressiste s'isolait et se radicalisait. C'est le fameux Trump, c'est Hitler. Je vais vous donner un autre exemple tout bête, oui. C'était dans la campagne précédente. Ses arrivées en avion, avec atterrissage devant la foule. Bon, bah ça, c'est quelque chose que Hitler a utilisé en 1932. Et plus elle s'isolait, moins les gens l'écoutaient. Du coup, je me suis tapé un peu les fins de campagne sur CNN ou sur d'autres médias progressistes. C'était lunaire. Ça créait sur les plateaux que Trump, c'était pire qu'Hitler, qui mangeait des gamins et qu'il était à l'origine de la peste noire au Moyen-Âge. Le problème, c'est que plus personne, plus aucun Américain n'écoutait ces chaînes. Et c'est pour ça qu'on va avoir aux États-Unis comme en France des analystes qui vont tomber des nues. Je vous mets une séquence d'un mec de CNN qui découvre le score de Kamala Harris. So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming in 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything on the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one county? Excusez-moi. Si vous regardez cette chaîne, par exemple, cette chaîne YouTube, moi j'ai fait 3 grosses vidéos sur les États-Unis. Une sur le fentanyl, une sur le déclassement de la classe moyenne américaine, c'est I'm selling my song, c'est cette chanson-là. Et une sur le ras-le-bol du wokisme chez l'américain moyen et chez l'industrie américaine. Donc ces 3 vidéos ont été 3 grands sujets de cette campagne. Donc si moi j'étais au courant que ces 3 sujets étaient au cœur des préoccupations des Américains, comment CNN n'a pas pu le comprendre? Et rajouter à ça des scandales médiatiques qui ont été largement dissimulés par les médias progressiste et on obtient très clairement la fin de la légitimité médiatique dont je parlais au début. Je pense notamment au scandale du fils Joe Biden, Hunter, et évidemment plus récemment les soirées de P. Diddy où ça défouraillait des gosses en 4-4-2 ultra offensif. Donc d'un côté, t'as des médias qui ont complètement dissimulé ces affaires et de l'autre, t'as des stars qui étaient dans ces soirées de gros tordus qui appelaient à voter contre Donald Trump. L'Américain moyen, il a dit clairement, allez tous vous faire en... Donald Trump continues to deny the facts. He continues to deny the science. Et ce sentiment, évidemment, aujourd'hui exacerbé dans le vote Trump, est présent depuis les années 80. J'en parle tout le temps, mais Christopher Lash, dans La révolte des élites, est très clair là-dessus. Les élites ont fait, dans les années 70-80, sécession du peuple. On y reviendra. Mais quand t'as de la peine à trouver un taf, que tu dois faire un crédit pour payer ton lait et que ton fils est dans les rues de San Francisco à prendre du fentanyl, les discours sur le droit des minorités, la planète qui brûle et les pingouins qui mettent de l'indice 50, tu t'en branles. C'est malheureux, mais tu t'en branles en fait. C'est ce sentiment-là qu'ont très bien saisi les médias alternatifs. C'est pour ça que je pense que la fin des médias traditionnels, cette rupture entre le peuple et les élites incarnée dans cette bataille culturelle, elle est définitive. Parce que la boîte de Pandore, elle est ouverte. Là. C'est là qu'Elon Musk est ultra important. Non pas pour ce qu'il pense, mais dans la mesure où ce qu'il a dit sur la liberté d'expression est une révolution totale. Il est pour une liberté d'expression totale et donc pour la multiplication des médias et des récits alternatifs. Définitive, parce qu'avant, la solution, c'était de bannir ces contre-récits des plateformes, ou de carrément bannir ces plateformes. Et pour ça, il fallait un pouvoir politique, ou il fallait diriger ces plateformes. Or, ça, la propagande culturelle ne l'a plus. Donc, les médias traditionnels ont traité Trump comme s'ils étaient encore hégémoniques. Et ça a été, je pense, une grande erreur. Ça a radicalisé la polarisation de la société, et surtout, ça a délégitimé complètement leur analyse. Parce que quand t'as des vrais soucis dans ta réalité propre, que t'es concerné par l'industrie américaine, l'économie et compagnie, que tu ouvres une chaîne opposée à Donald Trump et que t'entends « Ah, vote pas pour lui, c'est Hitler », tu te dis qu'il y a un énorme fossé, un décalage par rapport à ce que tu ressens et ce qui est raconté sur ces médias hégémoniques. Alors je finirai cette première leçon par un tweet que j'ai vu et qui résume selon moi parfaitement cette sécession des élites et son stress, sa panique à l'idée de perdre le monopole du récit médiatique. Alors, en l'occurrence, c'est un tweet d'une Française, mais vous allez comprendre pourquoi cette Française a sa place ici. C'est notre amie MC Danse pour le climat. Donc, elle a été connue pour danser, pourquoi pas. Cette meuf-là, elle est sociologiquement l'incarnation de l'élite occidentale. On pourrait dire déconnectée ou connectée à d'autres réalités, mais en tout cas, elle n'est pas forcément connectée aux réalités des gens. Elle dit « Nous luttons à armes inégales face à l'extrême droite ». Déjà, elle a raison. La droite a une chaîne sur 18, elle n'a aucune subvention, elle n'a pas de place sur le service public et aucune célébrité n'a les couilles d'assumer un vote national. Ensuite, elle continue « Il faut absolument faire campagne massivement au niveau européen ». Et là, selon moi, elle a tout dit. Elle trahit ce qu'on dit depuis le début, sur cette chaîne en tout cas, à savoir la connivence entre l'européisme et le progressisme social. C'est les deux versants d'une même pièce, c'est le même système. Elle dit pas « il faut qu'on voit au niveau national pour faire un vote avec mes compatriotes français ».
mais elle veut aller à Bruxelles, soit dans l'entité la moins démocratique, la plus autoritaire et antipopulaire qu'on ait sous la main. Et c'est le pompon sur la Haute-Garonne. Elle veut une loi pour interdire l'Empire Bolloré, donc un média de tendance national, un média alternatif. Et c'est exactement le réflexe de celui qui est en train de perdre son monopole. Il veut empêcher d'autres récits de voir le jour. Et au lieu de s'interroger sur le succès de ces chaînes, en l'occurrence de CNews, sur le succès des idées nationales, des idées sécuritaires, des idées anti-immigration dans le pays, elle veut interdire à ces succès d'avoir une existence médiatique. Si la température n'est pas bonne, cassons le thermomètre. Parce que c'est une chose de dire « je ne suis pas d'accord avec cette chaîne, je ne suis pas d'accord avec CNews », ok ? Mais c'est une autre de dire de manière ultra prétentieuse, hein, faut pas se mentir, « je ne suis pas d'accord avec cette chaîne, d'ailleurs, personne ne devrait être d'accord avec cette chaîne et il faut fermer cette chaîne ». Et c'est exactement, selon moi, et c'est exactement ce qui s'est passé depuis 10 ans aux États-Unis. On a refusé de traiter avec les sujets de fond en s'attaquant uniquement aux conséquences de ces sujets, soit Donald Trump ou Elon Musk. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. Kamala Harris a assumé ses positions progressistes et woke durant la campagne. Donc si elle perd, c'est qu'elle s'est fait sanctionner en partie là-dessus. Parce qu'il faut bien avoir en tête que si elle s'était assise sur une chaise à recevoir l'oseille du Parti démocrate et à laisser faire la propagande médiatique pro-démocrate, elle aurait fait un meilleur score, hein, on va pas se mentir. Et là encore, bah, c'était prévisible. Prévisible pour au moins trois raisons. Déjà, il y avait des signes avant-coureurs. Hein, on se souvient de la faillite de Bud Light, j'en avais fait une vidéo. Go woke, go broke. On sait que la dynamique woke est très située socialement parlant, qu'elle ne gagne pas de nouveaux adhérents, si ce n'est des gens qui auraient de toute manière voté démocrate, à savoir les jeunes bourgeois blancs. Mais qu'en revanche, cette dynamique woke, elle a radicalisé ces mêmes démocrates. Et parfois, on va avoir des démocrates qui, par opposition aux thèses wokistes, vont se réfugier dans le vote Trump. Et statistiquement, le soutien tacite de Kamala Harris au mouvement pro-palestinien des campus ou au mouvement lié à l'idéologie trans va porter un énorme préjudice électoral à sa campagne. C'était prévisible aussi parce que l'anti-wokisme de la droite américaine a percé de fou ces quatre dernières années, aidé par la leçon numéro 1, donc des médias alternatifs. Le gouverneur de Floride, DeSantis, avait passé des lois pour interdire sa propagation dans ses universités, tout comme Glenn Youtkin. In the lessons I learned, I've passed along to my children. Le succès d'Elon Musk, Jordan Peterson, les sphères d'influenceurs à la Logan Paul, Joe Rogan, Ben Shapiro, et j'en passe. Et en fait, en critiquant le wokisme, on critiquait aussi le système qui l'avait produit. Et comme cette élection était présentée comme le vote des Américains contre le système, bah le wokisme n'a pas pu résister puisqu'il est le produit de ce système-là. Et pour comprendre le dernier point de l'échec du wokisme dans cette campagne, il faut comprendre une chose. L'idéologie woke est électoralement minoritaire. Elle est née sur les campus américains, donc elle est initialement très élitiste. C'est ceux qui sont allés à l'université qui peuvent être sensible au wokisme. C'est comme ça, moi qui le dis, hein, c'est juste factuellement, c'est né dans les universités, donc si t'es pas dans les universités, t'es pas sensible à ça. C'est une idéologie qui est très théorique, absolument pas ancrée dans le réel, dans le concret et dans le tangible. Retenez bien ça parce que ça va être important. Et par collusion des élites, cette idéologie woke, elle a été transmise à l'élite économique et culturelle du pays, donc Hollywood, Disney, Netflix, et l'élite économique étant Adidas, Coca-Cola, Nike, et j'en passe. Mais elle a toujours été très minoritaire électoralement. Et elle a compensé cette infériorité électorale, cette infériorité numérique, par une propagande de fous furieux. Propagande qui ne fonctionne plus dès lors qu'il y a un autre récit disponible. Et là où le wokisme est, selon moi, mort et enterré avec cette élection, c'est que cette idéologie est par essence élitiste, qui s'adresse aux élites. Élites qui sont économiquement à l'aise, sans trop de difficultés, et qui ont le temps de se poser la question de savoir de quel genre ils sont, de comment leurs 4% amérindiens les a pénalisés dans leur parcours scolaire ou la notion de toilette inclusive dans l'espace vert du campus. Ils ont le temps de penser à ça. Ils ont l'oseille pour penser à ça. Donc ça fonctionne quand ça va, quand l'économie fonctionne, quand les gens ont des... quand les gens ont du temps à perdre pour ces questions-là. Mais quand l'élection, on le verra, a fait ressortir des problèmes pratico-pratiques, j'ai envie de dire, de désindustrialisation, d'inflation, de sécurité alimentaire, le wokisme est par nature incapable de répondre à ces questions puisqu'il a été pensé et théorisé dans des campus d'élite culturelle et économique qui n'ont jamais
été exposés à ces questions-là. C'est là où le bouquin de Michael Lind, La Nouvelle Guerre des Classes, est assez ouf. Hein. Il dit que les idées progressistes, notamment l'écologie et l'antiracisme, qui émanent du système, vont le faire disparaître. Parce que les gens se diront que si un système est capable de produire des idéologies aussi éloignées des préoccupations des gens, il faut le changer, ce système. Et c'est sur ça qu'a capitalisé Trump, un peu à la manière de la crise des gilets jaunes en France, qui, je le rappelle, débute à cause d'une mesure écologique, coûteuse et inutile, qui a failli faire tomber littéralement le gouvernement. Et le plus surprenant dans ça, après qu'on ait fait la démonstration que le wokisme est une des défaites de cette élection, si ce n'est la grande défaite de cette élection, les mecs persistent et signent. Gladys Francis, la doyenne de l'université d'Howard, a expliqué avec quasiment l'ensemble des journalistes du service public français et des journalistes démocrates américains que Kamala Harris avait perdu cette élection parce qu'elle était noire. Alors que c'est justement ce rapport à la réalité, cette déconnexion des préoccupations réelles qui a fait perdre les démocrates. On a envie de leur dire que des spécialistes qui n'ont pas vu venir un raz-de-marée rouge électoral sont des spécialistes à chier, très clairement. Ils ont eu tort pendant la campagne, pourquoi ils auraient raison après ? On ne sait pas. Même si on comprend bien le discours, hein, expliquer une défaite aussi lourde comme ça, par la couleur de la candidate, ça évite de se remettre en question sur le fond. Parce qu'un des fonds à interroger, c'est l'évolution des votes. Plus 2 points pour Trump chez les femmes, plus 13 points chez les hispaniques, plus 6 points chez les jeunes. Parce que je pense que les Américains en ont ras le cul, hein, très clairement, d'être ramenés à leur couleur de peau, à leurs conditions ou à leur genre. C'était juste des Américains qui voulaient des solutions américaines. Voilà. Je vous mets un extrait dont j'ai déjà parlé dans ma revue d'actualité sur Frontières pour illustrer ce décalage. Kamala, c'est une femme et pour moi, les femmes sont pas faites pour le job de président. Non, elle est pas noire. Vraiment pas. C'est une fraude. Elle voudrait être noire, mais elle l'est pas. Être noire, ça veut rien dire. Moi, je pourrais voter pour toi. Je m'en fous qu'elle soit noire. La couleur de peau, ça veut rien dire. On a Quotidien, hein, l'équivalent de Jules Ferry et de son Devoir de civilisation, qui va voir un Renoir. Le Renoir vote Trump et première réaction de Quotidien, hein ? Mais t'es noir. Mais putain, allez vous faire enculer en fait. C'est un noir, mais c'est aussi un père de famille, c'est un Américain, c'est un mec qui a peut-être perdu son boulot, c'est un ancien militaire, c'est peut-être le frère d'un mec qui est accro au fentanyl, c'est un habitant des campagnes, c'est un évangélique, c'est le fils d'une retraitée touchée par l'inflation. Non, 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 tout ça on s'en branle pour Quotidien, c'est juste un noir. C'est, le truc important, c'est que c'est sa couleur de peau. Et ben, je crois que ce qu'il s'est passé avec cette élection, c'est le ras-le-bol des Américains à cette assignation permanente. Pour bien comprendre cette leçon, il faut comprendre deux termes qu'on va opposer ici. Hein, cette élection n'a pas uniquement été l'antagonisme entre deux projets de société, elle a opposé deux visions de l'Amérique, deux rôles que devraient jouer l'Amérique dans le monde. Autant la place de ton pays dans le monde quand t'es dans le trou du cul du Guatemala ou en Namibie, bon, on s'en branle, mais quand t'es à la tête de l'Occident, c'est différent. D'un côté, on avait une Kamala Harris qui était héritière de Barack Obama, très interventionniste, hein, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Barack Obama, très violent pour défendre ses zones d'influence et même, on peut oser le terme, belliciste si on prend la présidence de Joe Biden, notamment sur la politique en Ukraine, en mer de Chine et au Moyen-Orient. En fait, c'est l'empire américain, Kamala Harris sur le côté, leçon de morale à tout le monde et intervention militaire permanente. Il y a qu'à voir le don des entreprises impérialistes au possible dans la campagne de Kamala Harris. Hein. Donc les GAFAM ont donné des millions et des millions d'euros à la candidate démocrate. Pourquoi ? Kamala Harris était sur une politique multilatérale où elle défendait des accords multilatéraux avec le Mexique et le Canada. Elle voulait réintégrer des accords de partenariat transpacifique, le tout pour renforcer l'influence de l'économie américaine à l'échelle mondiale. Et de l'autre côté, on avait un Donald Trump qui défendait la nation américaine. La nation avant tout. C'est son fameux America First qui a très durement critiqué l'intervention en Irak et qui n'est pas pour des relations multilatérales mais bilatérales. Donc entre deux pays, limite entre deux chefs d'État. On pense à sa relation avec Vladimir Poutine, avec Xi Jinping et évidemment avec le dirigeant nord-coréen. Et dans ce cadre-là, le canon de réussite de Trump, c'est pas l'empire américain mais c'est la nation. C'est pour ça qu'il a axé sa campagne sur le protectionnisme, sur le rapatriement des entreprises dans la nation américaine, dans la nation je veux dire géographique, sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et de Syrie, ce qu'il a fait lors de son premier mandat, et des déclarations sur la fin de rôle du gendarme américain des États-Unis dans le monde. Il a aussi parlé d'un truc qui a beaucoup touché les Américains, à savoir la défense des monuments des confédérés qui symbolisent, selon lui, la nation américaine. Donc ces deux visions radicalement opposées. Et j'en veux pour preuve la déclaration de Donald Trump
sur le voile en Afghanistan. Alors c'est passé totalement inaperçu, mais je vous mets la séquence. It's like I saw somebody, I won't even say because it's embarrassing. We want it where the women over there don't have to wear the you know what. And then I said, oh well that makes sense, that's nice. Then I saw women interviewed. They said we want to wear them. We've worn them for 1,000 years. Why would anybody tell us not to? They want to. What the hell are we getting involved for? Là, c'est essentiel ce qu'il dit. Il dit que pour lui, il comprend pas le délire du voile, mais qu'il n'est personne pour imposer à un autre pays une manière de vivre. Et dans l'histoire américaine, cette humilité, c'est totalement inédit. Et je trouve que cette humilité est liée à la fin du wokisme et à la fin de l'interventionnisme américain. Je m'explique. Le wokisme, c'est une prétention morale qui consiste à imposer aux gens une lecture de la société dominant-dominée, des comportements qu'on juge acceptables ou non, une manière de parler qui n'offenserait pas les minorités, etc. Et je trouve qu'on peut faire le lien entre cette manière de penser, ou plutôt cette manière d'imposer un système de pensée, avec l'impérialisme américain. Quand l'armée américaine arrive dans un pays du Moyen-Orient pour dire aux gens comment vivre, qui sont les vrais méchants, pourquoi il faut changer ces traditions, etc. Elle fait exactement la même chose que le wokisme. Elle exige sa vision de la société, sa hiérarchie des valeurs, ses droits de l'homme, etc. Avec un manque d'humilité de bâtard, en fait. Hein. Genre, mon système de valeurs est supérieur à ton système de valeurs. Donc, on va te l'imposer. Et ça, je pense que les Américains ont refusé qu'on leur impose un système de valeurs autre que le système américain. Et ils ont refusé que les États-Unis jouent ce rôle-là de dictateur moral, de dictateur des droits de l'homme à l'échelle internationale. Et enfin, la dernière leçon de cette élection, en tout cas ce qui ressort des mois de campagne et qui est lié avec la leçon que j'ai eue sur le wokisme, au-delà des sorties du personnage Donald Trump, qui répondait à une campagne, je vous l'ai dit en introduction, ultra hardcore. Trump, il a incarné le bon sens pendant 3 mois. Le putain de bon sens populaire. Un petit mot sur ce que c'est, et vous allez très vite comprendre pourquoi j'en fais la définition. Le bon sens, qui vient du latin sensus communis, c'est la perception commune. C'est le jugement partagé par tous. C'est la capacité d'observer le monde de manière pragmatique et d'en tirer des conclusions logiques. Par extension, c'est, selon George Orwell, hein, ce qui va protéger les gens ordinaires des manipulations intellectuelles des élites. Michéa, lui, il l'analyse encore plus justement en expliquant que le bon sens est détesté par les élites parce qu'il ne peut pas intégrer d'idéologie trop compliquée et inutile. Puisque le bon sens, il n'est pas simpliste, il est simple. Et en politique, le bon sens, c'est une forme d'empathie. C'est traduire ce que pensent les gens qui n'ont pas fait de politique, qui n'ont pas fait de grandes études, dans des solutions très concrètes et lisibles, compréhensibles par tous. Et bah, je trouve qu'on est en plein dedans, dans cette campagne américaine. Les Américains ont un problème avec la sécurité? Trump a promis de régler le problème. Les Américains se sentent déclassés et délaissés par l'establishment? Trump a pull-up avec son slogan « America first ». Les Américains sont nostalgiques du passé? MAGA. Make America Great Again. Et en fait, il a fait prendre conscience aux Américains que les solutions passaient pas par des congrès chelous avec des gens mal sapés qui puent la gueule. La solution était parfois très simple. C'est un problème d'industrie, il faut réindustrialiser. C'est un problème de sécurité, il faut mettre plus de policiers. J'en veux pour preuve les mecs qui ont entouré Donald Trump pendant sa campagne. On pense à J.D. Vance, le sénateur de l'Ohio et colistier Donald Trump. Le mec est d'une famille ouvrière pauvre de la Rust Belt. Il a été élevé pas loin des crackheads dans la misère. Il a servi en Irak. Il a écrit une biographie sur la classe ouvrière blanche. Il a été investi dans la cause contre les drogues, notamment le fentanyl. Il a été investi contre le déclassement des classes moyennes. Et ce mec-là, les solutions qu'il propose, elles sont très simples. Elles sont... C'est juste là, quoi. Enfin, c'est... Il y a une métaphore dans un livre de Edgar Allan Poe où un mec cherche une lettre partout dans un appartement, c'est un détective, il dit où est-ce qu'elle peut être cette lettre, et en fait la lettre elle était juste au centre de la table. Voilà, bah c'est un peu ça l'élection de Donald Trump. On va voir aussi Robert Kennedy Jr., très impliqué dans la critique de la pandémie du Covid, il a fait des putains de tutoriels sur Twitter pour expliquer aux Américains comment bien manger et pourquoi l'obésité était un fléau dans le pays. On va avoir Ron DeSantis qui s'est opposé à la vaccination obligatoire, et non par idéologie mais par souci de liberté individuelle, et il a expliqué, je cite, que l'éducation devait se concentrer sur les bases. Et en fait, les Américains se disent « Bah ben ouais, putain, mais attends, depuis le début, c'était ça la solution. C'était de la simplicité. » Enfin bref, Trump et son entourage, ils se sont concentrés sur ce qui touchait les gens et ce qu'attendaient les gens. J'ai même envie de dire, ils ont fait de la politique, de la vraie politique, porter au plus haut point ce qui touche les gens. À l'inverse, Kamala Harris, elle a incarné le décalage et la déconnexion, tout dans le paraître et rien dans le concret. On rappelle qu'elle avait été critiquée pour avoir prédéterminé des questions qu'on lui poserait dans un town hall dans le Michigan, qu'elle avait été incompréhensible sur la sécurité et l'immigration face à Brett
Bayer sur Fox News, qu'elle avait reviré de bord sur le fracking par opportunisme et surtout, elle avait commencé à mettre en avant un putain d'accent du ghetto noir américain pour séduire l'électorat du ghetto noir américain. The courts are gonna handle that. We're gonna beat them in November. We're gonna beat them in November. Okay? We'll beat them in November. Alors c'est très marrant, mais les Trumpistes de Twitter, ils ont répertorié les différents accents qu'avait pris Kamala Harris pendant sa campagne. Et t'en as peut-être 8 ou 9 différents. Et ça, pour les Américains, ça sonne faux, ça sonne pas authentique. Hein. Et encore une fois, je vous renvoie à la leçon numéro 1, mais quand tu imites des accents pour te faire élire, tu deviens la risée d'Internet en moins de 24 heures. Voilà, c'était les 4 leçons que j'ai pu tirer de cette élection. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous en avez d'autres. Des leçons auxquelles vous penseriez sur cette élection. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time.